Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMOXP, vous avez 5% avec le code ZOHO, le lien est dans la description. Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien également, ça va nickel mon nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FC24, nous avons du coup un nouvel SBC, peut-être deux, les gars, je ne sais même pas, je sais qu'il y a Camille Abili qui devait sortir, est-ce qu'elle va sortir aujourd'hui, je ne sais pas les gars, là je découvre avec vous, voilà, là ce soir pour cette vidéo-là. Je découvre avec vous ce qu'il y a de nouveau. On ira voir aussi les objectifs un peu, voir un peu ce qu'il y a. Et voilà, on ira aussi voir aussi la nouvelle évolution. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo, ok? Je ferai la vidéo pour la nouvelle évolution à part. Du coup, on est parti directement, les gars. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire. Vous êtes habitués, les gars, maintenant, ok? Et on est parti. Ok, ouais, c'est Camille Abili, du coup, les gars, qui est sorti. Donc, on a Camille Abili, un joueur. Et est-ce qu'il n'y a pas une carte, genre, non icône, peut-être qu'il devrait sortir 84x10, les gars. Ouh, ça commence à sortir, les gars. Les 84x10 commencent à sortir. Même ça, c'est beau. Ah, ouais, les gars, ce soir, ça va live, ça va vraiment se mettre bien, les gars. Mais là, c'est cumulable 3 fois. Puis ensuite, ce sera cumulable 5 fois, ensuite 10 fois. Et ensuite, ce sera illimité, les gars, vous verrez bien. Du coup, ok, on a ça qui est sorti. Sinon, il n'y a pas d'autres joueurs, il me semblait. Ah, si, sur l'autre, les gars. Sorlot qui est sorti aussi, ok, en premium en plus, donc le collectif est au maximum, ok, super, 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 ben écoutez les gars, franchement c'est pas mal, Sorlot les gars, c'est cheaté les gars, Sorlot, hein. Sorlot c'est vraiment cheaté, ok, on a ça, et en objectif, qu'est-ce qu'on a du coup, alors ça non, il me semble qu'on n'a pas grand chose également, non, tout était déjà là. Ok, super. D'accord. On va quand même aller voir sur FUTGG, les gars, pour pas que je me trompe. Et voilà, il me semble pas qu'il y ait de nouveautés à part ce que je vous ai montré. C'est que déjà quand même pas mal, les gars. Deux joueurs à un niveau, c'est à pas se le cacher. Ça, c'est quand même très propre. Et du coup, FUTGG, on va voir un peu ce qu'il y a. Alors, tac, je mets new, ou récent plutôt. Et ouais, les gars, non, c'est que ça. En termes de joueurs, il n'y a que Camille Abili sur l'autre. Et après, il y a l'évolution. L'évolution, c'est quoi du coup? C'est éclat, futi, bronze. Ok, d'accord. Donc, c'est des cartes bronze qui peuvent monter à des générales de fou, les gars. Ok, d'accord. Donc, voilà, ça va être très compliqué. On verra les meilleures cartes parce que les gars, là, il y en a plein. Ok, il y en aura plein, tout simplement. Donc, on verra bien ce qu'il y a. Ok, par exemple. Oh, ça va, les gars, c'est une belle carte. Ça. Ah, 96 vitesse, c'est pas fou. Ok, par exemple, ouais, il faudrait alors au moins un mec qui a 75 de vitesse minimum alors. Par exemple, lui, imaginons. Ouais, ça peut être pas mal. Et encore, ouais, 75-76 de vitesse minimum, par exemple. Lui, il a 75-80. Ok, la vitesse peut être pas mal. Après, il faut les frapper aussi. Hein. Ouais, bon. Les gars, on verra ça dans la vidéo évolution. Ok, en tout cas, elle peut être pas mal si vous avez un concept brésilien. Ou concept, par exemple, si vous êtes comme moi, une origine où le football, c'est pas leur point fort. L'Albanie, du coup, voilà, ça peut être original de faire une carte albanaise, ok. On va aller faire la VSBC directement de Camille Abili et du coup de Sorlot. On est parti pour, on va commencer par Sorlot, les gars. Je pense qu'il est moins intéressant que Camille Abili. On va commencer par Sorlot. Une équipe, ok, donc c'est pas foufou, franchement, les gars. 4 de GT, 5 de mauvais pied. Élevé moyen, 1m95, les gars. Donc, vous êtes au courant que, les gars, corner, tête, il y a but, ok. Ok. 4 GT, c'est le mauvais pied, les gauchers, buteur avançant, Villarreal, la Liga des Sports Norvège, dans tous les cas c'est un premium, donc le lien c'est super facile. En termes de vitesse, il est super rapide, en termes de frappe, il a une très très belle qualité de frappe. Tir de loin 86 seulement, donc les long shots c'est pas foufou, après il sera souvent devant les barres. Hein. Souvent devant les barres, il manque un peu de volée, un peu de penalty, mais l'essentiel est là, placement offensif, finition, puissance de frappe. En termes de passe, il n'a pas la passe longue, mais c'est un buteur. Par contre, il a la passe courte, il a l'effet, il a la vista, à 96 minimal. Donc ouais, c'est pas mal. En termes de dribble, 83 d'agilité, 83 d'équilibre. Je sais même pas si sa carte d'autre, elle n'est pas un peu meilleure. Ah, je pense pas, les gars, ça m'étonnerait. Mais ouais, j'aurais mis quand même un peu plus. Sachant qu'on est à la fin du jeu, il faut juste cheater les cartes, ok. J'aurais mis un peu plus. 94 de réactivité, 97 de conduite de balle, 97 de dribble, 99 de calme. C'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Franchement, il est très bon en dribble. Défensivement, il a 99 de tête, 99 de endurance, 99 de détente, 99 de force, 97 d'agressivité. C'est super costaud, les gars. Voilà. C'est même pas en mode par rapport au stat, il faut le faire ou quoi, les gars. C'est surtout qu'en fait, c'est. Ben, vous avez souffert, les gars. Quand la carte d'autre est sortie, vous avez souffert, ok. Donc là, vous allez encore deux fois plus souffrir. Et moi, je vous le dis. Si vous avez une attaque Weghorst sur l'autre, autant vous dire que vous êtes dans la merde. Les gars. Enfin, si vous affrontez Weghorst
Et sur l'autre, les gars, vous êtes dans la merde. Et moi, je vous dis, les gars, franchement, c'est une dinguerie là. Ballon piqué plus, tiki-taka plus, passe à 10, hein. Extérieur du pied plus et duel aérien plus, bien évidemment. Après, il a la pile infatigable, il est immortel sur le terrain. Technique, rapide, intuition, tir en finesse, en plus de ça, c'est pas mal. Tir puissant et tête puissante aussi. Ouais, les gars, franchement, c'est un film. Hein. En plus, il n'y a qu'une équipe. Il n'y a qu'une équipe, donc en vrai de vrai, ben, c'est. C'est donné quoi, les gars, 87 pour. Les gars, moi je vous le conseille, hein. Franchement, je vous le conseille de fou. Il fait combien? Il fait 70 000 crédits, les gars, donc je vous le conseille de fou. Ok? Je vous le conseille de fou, c'est vraiment pas cher et c'est une carte fun à jouer. Bon, bien sûr qu'il va, il va pas sortir votre Dinatale, votre Dalgliesh, votre Puskás, parce qu'en vrai de vrai, Puskás c'est tout ce qui est plus méta. Mais en vrai de vrai, les gars, un joueur grand de taille comme ça en pointe, mais comment ça fait du bien, oh là là. Donc oui, je vous le conseille les gars, pour 70k, si vous n'avez pas un joueur de ce type là, ben forcément que ça va vous aider, mais de fou malade, vraiment. Ok, pour Sorloth. On passe à Kemi Abili, les gars, qui... Sa carte fut déjà sa carte de base icône, elle était incroyable. Donc sa carte brisée était encore deux fois plus incroyable. Mais on était à un stade du jeu où sa carte icône de base, je lui ai mis au tout début du jeu, c'était deux fois plus méta que actuellement. Ouais, tout le monde a la même carte que Kemi approximativement. Quand sa carte brisée était sortie, il y avait de meilleurs défenseurs, de meilleurs milieux de terrain, de meilleures cartes. Quoi. Donc c'était un peu plus compliqué de juger la carte de Kemi Abili fut brisée au mois de mars ou mai, je crois, comme ça. Que mais non, mais au mois de mars, que de juger la carte icône de base de Kemi Abili au mois de septembre-octobre. Ok, ça vous l'avez compris. 1m68, elle est pas si petite que ça, franchement, ça va. Moyen élevé, 5 de GT, 4 de mauvais pied. Elle est droitière, elle a pas de double 5, elle peut jouer. Elle est attaquant droit. Ah, elle est pas milieu central, les gars, elle est attaquant droit, d'accord. Attaquant droit, milieu droit. Ben, pour ceux qui ont connu Kemi Abili, qui l'ont vraiment vu jouer, peut-être que ça vous dérange de la faire jouer sur le côté droit. Mais parce que moi, je sais même pas, les gars. Moi, je sais qu'elle est le milieu central, MOC ou quoi. Je sais même pas si elle a déjà joué sur le côté droit dans sa vie. Mais en soi, moi, ça me dérange pas. Icône française, ben, pour le lien, les gars, c'est super. La vitesse, eh ben, c'est super aussi. En termes de frappe, pour un ailier, c'est pas dégueu. Ok, les gars, c'est pas dégueu. C'est même propre. En termes de passe aussi, c'est propre. Franchement, c'est manque de centre, mais elle a le PlayStation. C'est bon, les gars, j'ai rien dit. Mais passe nickel. En termes de dribble, elle manque d'agilité d'équilibre pour 1m68. Franchement, c'est 90 d'agilité, 88 d'équilibre, les gars. On va pas se le cacher. C'est un peu à walp. Ok. Sinon, le reste, ça suit. Défensivement, elle sait défendre quand même. Donc, vous pouvez toujours la replacer MC. Mais c'est compliqué, tactique perso et tout. C'est pour ça qu'il faut trouver un milieu central que vous allez devoir jouer attaquant droit et tout. Ou alors peut-être que même votre attaquant gauche puisse jouer MC. Donc ça va, vous allez jouer dans un milieu où il n'y a pas de délié. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais bon, c'est toujours un peu la merde. Défensivement, c'est quand même un tout petit peu défendre. Enfin, c'est bien, c'est pas le top de fou. Mais 90, c'est pas dégueu à ce stade du jeu. Et physiquement, elle a 93 d'endurance, donc ça c'est cool. Pour sa taille, franchement, j'aurais mis un peu plus de force, un peu plus d'agressivité. Parce que c'est dommage, les gars. Elle a technique, intuition, tiki-taka, coup de pied arrêté, ballon piqué, tir en finesse. Ok. Sinon, elle a tir puissant plus, passe travaillé plus, elle a acrobatique plus et elle a foulé rapide plus. D'accord. Ben, en soi, en vrai, le passe travaillé, il est pas mal du tout. Le tir puissant, elle a combien puissance de tir? 93. Ouais, mais bon, après, ça, vous savez, c'est cheaté. C'est vraiment pas la puissance de frappe, c'est juste une balle qui frappe, qui part à 2000 mètres, à 2000 km. Km/h. Acrobatique plus, ouais, ça n'a jamais bien servi ça, mais en vrai, à tout moment, ça peut vous faire plaisir. Et foulée rapide, elle est déjà quand même pas mal rapide, les gars. 99, c'est vraiment un truc qui sert vraiment à rien. En vrai, la carte en soi, les gars, elle est pas folle. Franchement, elle est pas folle du tout. Il y a 7 équipes, ouais, en plus 3 équipes gratuites. Voilà, ça c'est gratuit. 86, 87, 88, 89. Ouais, c'est ce que je me disais, les gars. Franchement, je me trompe rarement en vrai de vrai. Je sais, je sais reconnaître une carte belle et une carte pas belle. Donc voilà, il y a les gars, ils ont. J'ai suivi la logique d'IA, elle fait 369 000 crédits, les gars. Donc en vrai de vrai, elle est pas chère. Si vous voulez la faire, faites-la. Mais c'est pas forcément une carte que je vous conseille. Je vous dis la vérité, les gars. Voilà, vous avez largement mieux à ce stade du jeu sur le côté droit. Surtout sur le côté droit, ok. Alors on va juste. Hop, je vais mettre par exemple ça. Squad, par exemple, une futis icône. Un attaquant droit. Ouais, le gars il peut jouer attaquant droit, Stoïkov. Et il fait 501 000 crédits. Ok, on va aller voir juste les futis 0. Vous avez personne qui peut jouer en attaquant droit. Les futis normales.
Ouais. C'est vrai que les gars, en vrai, il n'y a pas beaucoup de. Bah, vous avez Sancho pour 80 000 crédits qui sera peut-être un chouïa meilleur, les gars, mais c'est un plus, franchement. Vraiment, c'est un plus. Mais sinon, ouais, c'est pas foufou, les gars, en vrai, c'est pas foufou. Franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes futiles qui sont sorties. Il n'y en a que 4. 4 futiles icônes, 4 futiles héros. Il n'y en a pas énormément. Après, bon, c'est pas non plus dérangeant, mais bon. Je trouve que j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de footies. Mais bon, ça va les gars, franchement on prend. Donc voilà les frérots pour les deux avis SBC. N'hésitez pas à vous abonner les frères, ça fait toujours plaisir, ok? Objectif, avoir des 7000 abonnés avant FC25, ça fait vraiment plaisir. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les mecs. Tous les soirs sur FIFA, week-end sur full camp, la semaine c'est détente, marre de ces fichus pack, la vie je mets pas un cas, pas qui connaît un SBC, comme d'hab on se baiser, t'appuies sur R1, t'enroules avec ça là, de 10 ou 25 mètres, certitude que le but est là, Bandak dans la défense, tu peux quitter d'avance, Golasso, t'appuies d'un joueur, cancer c'est dans le sang, marre de pas tes sylvas.